très heureux de vous avoir très fidèle à cette émission consacrée à la jeunesse sur New World Economy. J'éprouve des sentiments pour la meuf de mon ami. Que dois-je faire? Dois-je laisser mon cœur s'exprimer ou étouffer ce sentiment? Nous en parlons sur ce plateau avec nos invités du jour, Apefa Kowu. Elle est entrepreneur. Apefa, un grand plaisir de te retrouver encore aujourd'hui sur ce plateau pour discuter d'un thème qui, j'avoue, t'intéresse très bien. Plaisir partagé, Coco. J'espère que tu vas bien. Je me porte très bien. Ça me fait de la joie de te retrouver avec cet enthousiasme tous les, à chaque émission sur ce plateau. Naturellement. Et je crois que cette émission, ça promet. Ça promet. Et ça promet parce que Valère est également sur ce plateau. Dovis Assou Valère, il est sociologue de formation. Bah, le monsieur, il fait beaucoup de choses. Nous avons également le privilège de l'avoir. Valère, ça va? Oui, ça va. Et je suis très en forme et je pense que c'est le cas de tout le monde sur le plateau. Merci surtout pour l'invitation. Merci également à toi. Élie, notre inspecteur de travail, est toujours avec nous. Élie, merci de partager encore ton temps avec nous où nous parlerons de ce thème, de ce sujet assez intéressant, mais en même temps inquiétant. Comment tu vas? Je vais très bien. Premièrement, par rapport au sujet, bon... J'ai peur quand même, mais bon, on y va, on se lance. Apefa est là, j'ai pas peur. Ça va, je crois que ça va aller. Je suis ton espoir. Vraiment. J'éprouve des sentiments pour la meuf de mon ami. Que faire? Dois-je laisser mon cœur parler ou étouffer ses sentiments? Alors, Apefa, dans un premier temps, éprouver des sentiments pour la meuf de son ami. D'abord, est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde? Eh bien, je crois que d'un premier point, les sentiments sont des choses qui viennent naturellement. Voir une personne éprouver des sentiments pour une personne, c'est tout à fait naturel. Alors, je ne vois pas de mal à ce qu'on condamne, ou bien je ne vais quand même pas commencer par condamner cette personne, que pourquoi il éprouve des sentiments envers une autre personne. Un humain, c'est normal qu'il éprouve des sentiments envers le sexe opposé. Donc, je ne peux pas tout de suite condamner cette personne. Mais ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a rassuré pour cette émission, c'est que la phrase a deux temps. On dit, j'éprouve des sentiments pour l'ami de ma meuf. Dois-je maintenant avouer ces sentiments ou étouffer ces sentiments? Ça veut dire qu'après que cette personne ait ressenti ces sentiments, il a fait une analyse aussi et il se pose des questions pour savoir sur ces sentiments. Est-ce que maintenant, les sentiments... Ce qu'il faut en faire. Les sentiments sont là. On ne peut pas... On ne peut rien, ils sont déjà là. Dois-je aller ou dois-je rester dans mon coin? Valère, les sentiments sont là. Les sentiments sont là. Est-ce qu'on peut empêcher les sentiments d'être là? Mais dire qu'on a des sentiments pour l'ami, pour son ami de tous les jours, un ami intime avec qui on se partage peut-être tout, on a fait une très longue marche, et que c'est pour sa meuf qu'on a des sentiments. Et est-ce que ça inquiète un tout petit peu ou c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde? Quelqu'un va dire, avec toutes les filles qui existent, c'est ma meuf que tu as trouvée. C'est une question qui peut naturellement être posée. Je dirais que, comme Apefa l'a dit, les sentiments, des fois c'est difficile de les contrôler. Et quand on parle de sentiments, il faut être franc. C'est ce que nous sentons. Parce que quand on parle de sentiments, il y a d'abord le mot « sent ». De façon intuitive, ce que nous sentons. Par exemple, je donne juste un exemple assez concret. S'il y a un garçon, lui, il est beaucoup plus intéressé par une telle morphologie de femme. C'est-à-dire la femme avec des rondeurs et tout. Vous allez voir que cet homme, les femmes qu'il va rencontrer, avec les mêmes caractéristiques, de façon intuitive, il y aura un truc de l'attirance. Il y aura un truc qui va le capter avant que maintenant il se dise, le cerveau intervienne. Parce que quand on parle des sentiments, pour l'instant, on ne fait pas intervenir le cerveau.
C'est la raison n'est pas pour l'instant sollicitée. Donc, je dirais que à un certain degré, à un niveau, c'est normal. Maintenant, c'est la suite. Parce que, voilà, tu reçois une réaction, tu sens quelque chose. Le plus important maintenant, c'est la suite. Qu'est-ce que toi-même tu te dis, quelle décision tu prends pour vraiment, pour assurer la suite. Élie, c'est tout simplement ce que cette même question t'est adressée, manifester ou avoir des sentiments pour l'ami de Sam Fou encore. Hein. On peut prendre l'autre côté du sujet également, que tu il peut t'arriver d'avoir également des sentiments pour ton ami, fille, pour son mec. Est-ce que cela peut également t'arriver? Est-ce que ça peut arriver à tout le monde? Tomber amoureuse ou bien éprouver des sentiments pour le gars de mon ami, c'est ça? Voilà. Ça peut arriver à tout le monde. Mais dans la vie, il faut savoir cadrer ou bien savoir se cadrer et dire certaines choses, ça ne convient pas. Une chose est de tomber sous le charme de quelqu'un. Une chose est de pousser ce sentiment-là à un degré, à un point où ça peut vraiment faire du mal à l'autre et à soi-même. Donc, c'est possible, ça peut arriver. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Oui, tu peux tomber sous le charme de quelqu'un. Alors, on peut tomber sous le charme de quelqu'un. Apefa, tout de suite, ce que je voudrais savoir, qu'est-ce qui peut amener à ce qu'on tombe sous le charme ou qu'on tombe, hein, qu'on ait des sentiments pour la meuf de son ami le plus rapproché. Pour cette affaire de sentiments, nul n'est épargné. Je crois qu'on ne peut pas dire que celui-ci, parce que c'est la femme de mon frère, c'est la femme de mon ami, c'est la meuf de tel. Nul n'est épargné, quoi. Mais ça vient devant celui qui se trouve dans notre sillage. Pourquoi cette personne n'est pas... Parce que Valère a énoncé quelque chose, il a dit. Tout de suite, on va lui poser la question de savoir que parmi toutes les filles qui existent au monde, c'est seulement l'ami de ta meuf. C'est seulement à celle-là que tu as éprouvé des sentiments. C'est parce que c'est cette personne qui se trouve dans son sillage. On ne peut pas être à Lomé et puis éprouver des sentiments à quelqu'un qui a d'apparence qu'on n'a jamais vu. C'est parce que la meuf est dans son sillage. Il la voit tous les jours. Elle voit ses rondeurs, elle voit son corps, elle voit peut-être des choses qu'il s'est dit, qu'il retrouve en cette fille-là. Donc, nul n'est épargné. On ne peut pas dire que c'est pas... Même, on peut être fidèle et éprouver des sentiments à la femme du pasteur. C'est possible. Quand la femme du pasteur est dans ton sillage, et je dis peut-être du n'importe quoi, ne me jetez quand même pas la pierre, mais c'est un exemple que je donne. La femme du pasteur est dans ton sillage et elle a les caractéristiques, les choses qui te plaisent. On peut éprouver les sentiments-là. Maintenant, les sentiments sont quelque chose qu'on nourrit. On nourrit ces sentiments-là. C'est toi-même qui rehausse, qui hausse ces sentiments-là jusqu'à ce que ça arrive à un niveau, à un degré, jusqu'à aller avouer ces sentiments à cette personne. Mais beaucoup diront que on est dans le même service, mais j'ai éprouvé des sentiments à tel ou tel. Mais ces sentiments peuvent être contrôlés. Alors, ces sentiments peuvent être contrôlés, certainement que tout au long de cette émission, on en parlera, mais Valère, tout de suite, il y a certaines personnes, hein, je reviendrai avec des messages où plusieurs ont commencé déjà par se prononcer sur le sujet via nos différentes plateformes liées donc à cette émission. On aura le temps de revenir sur le point de vue de plusieurs, mais il y en a qui disent, par exemple, que au nom du degré de l'amitié qui te lie à ton ami, au nom du respect que tu as pour ton ami, au nom de l'amour que tu as et du respect que tu as pour ton ami, et du fait que tu n'aimerais pas qu'on puisse te faire cela, il est impossible, sinon inconcevable, de dire qu'on éprouve des sentiments pour l'autre parce que la personne a un physique qui, éventuellement, pourra t'intéresser. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour te répondre à cette question, on est en train d'expliquer un mécanisme. Voilà. Parce que quand nous parlons des sentiments, nous sommes avec l'individu qui ressent. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas à la tête qu'on ne dit pas. Ce n'est pas parce qu'on ne dit pas qu'on est un exemple de cela. Il y a beaucoup de choses, même dans l'amitié, il y a beaucoup de choses qu'on ressent personnellement, mais qu'on n'osera jamais la bouche pour dire. Donc, nous sommes en train d'expliquer un mécanisme qui est celui-ci. Quand on parle de sentiments,
quand vous rencontrez une personne, vous pouvez éprouver des sentiments juste en voyant une personne. C'est-à-dire, la personne répond à vos aspirations. Je donne juste un exemple. C'est parce que on sait que voilà, c'est l'ami, c'est la meuf de mon ami. Imaginez que mon ami ne soit pas avec cette femme. Et si je tombe sur elle et j'éprouve des sentiments, je pense que là, on ne va pas me jeter de la pierre. C'est parce que maintenant, on sait qu'il y a déjà une liaison. Mais est-ce que c'est parce que il y a déjà cette liaison que je n'ai plus de sentiments? C'est la question fondamentale à se poser. Est-ce que c'est parce que voilà, je sais que c'est l'ami à voilà à mon ami, c'est la petite amie, la meuf à mon ami, que je n'ai plus de sentiments. Valère, je vais pas te couper la parole, mais souffre que j'introduis en même temps ces questions. Pour certains, ils estiment que pour qu'on parle de sentiments, c'est parce que tu as pris le temps à poser ton regard sur l'ami de sur la meuf de ton ami, au point de la désirer, au point de te faire des idées pour que quelque chose puisse venir en gestation et que cela puisse grandir au point où tu pourras l'affirmer. Oui, dans ce sens, parce que il y a un degré à ne pas dépasser. Et si la personne atteste, affirme que les sentiments sont bel et bien, ce n'est pas en doute, mais la personne affirme en réalité que ces sentiments sont là. Oui, c'est parce que à une certaine période, cette personne a nourri cette relation. Il y a deux personnes, vous savez, on n'a pas les mêmes capacités devant les sentiments. Vous allez voir, certaines personnes ont la même mise plus ou moins sur leurs sentiments. Pour d'autres, c'est vraiment une passion, donc c'est par cas, en fait. Donc, dans cet ordre d'idée, moi, j'aimerais justement dire, quand tu éprouves des sentiments, voilà, c'est un fait, tu réalises là. À partir de ce moment, quelle est la décision que tu prends? C'est la chose la plus importante. Mais le fait de refuser à quelqu'un, faut pas aussi encourager l'hypocrisie. Vous savez, des fois, c'est ça. C'est que dire aux gens que non, ça ne peut pas marcher, alors que la personne a des sentiments. C'est les sens. C'est-à-dire, quand tu trouves une personne, que ce soit, je ne sais pas, la meuf à ton ami, si la personne est belle, elle est séduisante, le cerveau te le dit en même temps. Tu ressens ça. Tu ne réfléchis pas. Tu ressens ça de façon intuitive. Donc, à une certaine période, il faut qu'on admette que voilà, ça peut arriver. Maintenant, quand la personne décide de nourrir ces sentiments-là, c'est là où tout le problème se pose. Alors, nous attaquons tout de suite à cette phase de ce sujet. Élie, quand ces sentiments sont là, est-ce qu'il faut laisser son cœur s'exprimer ou tuer? J'ai bien envie de dire étouffer ce qu'on est en train de ressentir pour cette fille en question. C'est la meilleure des choses à faire. La meilleure des choses, c'est quoi? Tuer ce sentiment. Pourquoi? Parce qu'il y a ces choses-là, je l'ai dit au début, que certaines choses nous apportent rien que du danger, rien que du malheur au fait. Parce qu'il y a ces choses-là qu'il ne faut pas faire. Soyons francs, soyons honnêtes, je ne peux pas tomber amoureuse du gars de mon ami, surtout de ma meilleure amie. Ça ne se fait pas. Il y a ces choses. Bon, il y a un philosophe qui dit, et si tout le monde en faisait, avant de poser un acte, pose-toi cette question, et si tout le monde en faisait autant? Donc, si je fais ça, et si quelqu'un me le fait et en retour, comment est-ce que je veux me comporter? Donc, je me mets un peu dans la peau de mon ami, je me dis, je peux pas faire ça. Donc, quand il y a ces choses qui arrivent, quand ça, tu éprouves des sentiments, peu importe, peu importe comment ça bouillonne à l'intérieur de toi, comment tu aimes cette personne, tu l'admires tant. Non, il faut te contrôler. Superbe. Alors, avant de laisser la parole à PFA, il y a Lonson, qui pense sur la plateforme du fan club Écojeune, qui pense que sur ce sujet, lui, il pose des questions. Et la première, c'est que qui est-ce qui nous dit simplement que cette meuf aujourd'hui ne sera pas laissée demain et qui pourra être éventuellement la femme de sa vie à lui?
C'est la question qu'il se pose. Qu'est-ce qu'il dit que... et là, il parle de la réciprocité. Et si ces sentiments étaient réciproques? Maestro, vous savez ce qui se passe. À force de côtoyer quelqu'un, des fois, on pense que la personne répond... Ce n'est pas moi, c'est Lanson. C'est ce qui se passe. C'est Lanson qui le dit, en fait. Oui, à force de côtoyer quelqu'un tout le temps, c'est-à-dire lorsque... Bon, mon ami vient, bon, des fois on sort avec son gars. À force de côtoyer la personne, c'est comme si on se dit qu'il y a des similitudes, on a des choses en commun et tout et tout. Il faut rester avec la personne pour réellement connaître la personne. Peut-être de long bien, en causant avec la personne, vous vous dites que bon, on a des choses en commun, ça peut aller ensemble. Il faut rester avec vraiment la personne. Tu ne sais pas ce que ton ami subit dans cette relation. Donc, tu ne peux pas te mettre maintenant et c'est toi qui viendra casser quelque chose peut-être qu'ils ont construit pendant de longues années sous prétexte que vous comprenez ou bien que ça matche entre vous quand même. Alors Apefa, on poursuit dans ce débat. Je lis donc l'intervention de certains. Il y a Joseph qui pense que pour ce sujet, si l'ami si l'ami n'est pas consciente, elle pourrait accepter, c'est-à-dire que si cette meuf n'est pas consciente, elle pourra accepter et ça risque de créer des problèmes entre les deux amis. Mais moi, je pose cette question, et si la réciprocité était là, et si la meuf en question manifestait aussi de l'intérêt à ce monsieur, que faire? Bah, c'est devenu délicat. C'est devenu très délicat ce sujet finalement, parce que c'est-à-dire qu'il y a un attachement qui se crée entre les deux. Entre les deux, dans le dos. Dans le dos de son ami. De son ami. C'est-à-dire qu'il ne sait pas. Ok. Là. Un sentiment réciproque. Un sentiment réciproque. Je crois qu'il y a des choses qui finissent par créer la guerre. Il y a des choses qui finissent par créer la guerre. C'est l'ami, c'est la meuf de ton ami. Cette meuf-là aussi. Je crois qu'elle, il faut que chacun se contrôle, quoi. Et si il le faut, il faut prendre des distances. C'est-à-dire, il faut que cet ami-là qui éprouve des sentiments pour la meuf de son ami, si c'est possible, qu'il prenne des distances. Parce que à chaque fois qu'ils vont se croiser leurs regards, à chaque fois qu'ils vont se côtoyer, à chaque fois qu'il est là et que la meuf fait de la nourriture, ils mangent ensemble. À chaque fois qu'ils font cela, ils vont compter. C'est comme s'ils sont en train d'arroser ces sentiments-là qui naissent réciproquement entre eux. Donc, s'il est possible, il faut que l'ami en question prenne ses distances. Il se retire un peu de ce couple-là et essaye de contrôler ses émotions, contrôler ses sentiments. Parce que, vous savez quoi? Nous sommes quand même en Afrique et on appelle quelque chose à l'opli. Bon, alors que ici, deux frères, non? Ça c'est entre deux frères ici. Non, c'est non, entre amis. C'est pas seulement. Disons la vérité, c'est pas seulement. C'est entre amis, c'est entre collègues. Est-ce que ça travaille toujours? Alors, bien sûr. Pendant que nous sommes au 21e siècle, on parle encore de ça, Apefa. Oui, c'est des choses que nous avons ignorées. Parce que nous croyons que nous sommes au 21e siècle et ces choses-là, nous avons ignoré. Et que à ce 21e siècle, les jeunes meurent en désordre. Les jeunes meurent en désordre. Il y a les Ivoiriens qui disent que le comportement tapé dans le ciel ou bien on tape le dos de son ami, on se retrouve, on mange dans la même assiette, on sort, on boit ensemble, on se colle et tout ça là, ça tue sans qu'on ne le sache. Sans qu'on ne le sache. Alors, mon inquiétude demeure. Je voudrais vraiment savoir, lorsque ce sentiment est réciproque, que faire? Que faire? Je l'ai déjà répondu. Créer la distance. Créer la distance. Et créer la distance dans, pour quelle fin, en fait? Pour tuer ce sentiment-là. Okay. Pour tuer ce sentiment-là. Est-ce que c'est de toi que ça doit provenir? Si ce couple-là doit être détruit, ce n'est pas de toi que ça doit provenir.
Ce n'est pas toi qui vas maintenant détruire ce couple-là. Si eux-mêmes, ils arrivent à se séparer, mais ce n'est pas toi qui vas causer la séparation de ton ami et de sa fiancée ou bien de sa meuf. Alors, Valère, Alain, que nous saluons au passage sur ce plateau, qui dit, Valère va faire comme s'il n'a jamais eu les yeux du pour la meuf de son ami. Valère. Oh là. C'est une question à moi. C'est une question toute faite à toi. Non, sois rassuré. Et on est arrivé à un certain niveau dans la vie où il y a des erreurs qu'on ne commet plus. C'est une erreur qu'on ne connaît plus. Ça veut dire qu'on commet. Non, qu'on ne commet plus. Je peux le dire ainsi. Parce qu'arrivé à un moment, il y a des trucs qu'il faut vraiment rapidement tuer. Rapidement. Maintenant, pour répondre à la question que tu as posée à PEFA, si les deux éprouvent des sentiments de façon réciproque, je dis qu'il y a un problème. Parce que si arrive un stade où les deux arrivent à savoir cela, ça veut dire qu'en temps, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que... C'est-à-dire, Si les deux éprouvent des sentiments dans le dos, je vais peut-être expliquer un tout petit peu. D'accord. Chacun peut, quand on commence peut-être à Valère, par manifester de l'intérêt pour une personne, des sentiments pour une personne, et quand c'est réciproque, ou bien quand on sent que l'autre est réceptif également, pas forcément que quelque chose s'est déjà passé, mais au travers des faits et des gestes de l'autre, on peut se permettre de dire que ça peut matcher. Moi, je vois déjà une mauvaise foi, parce que une mauvaise foi à quel niveau? Parce que je parlerai de celui qui a émis le sujet ici. C'est l'ami qui demande qu'il est dans un souci, pas possible. Parce qu'il est dans un souci. Il éprouve des sentiments. Et il réalise que c'est réciproque. Ça veut dire qu'en temps, il a testé. C'est-à-dire, il a marché au son de ses sentiments. Si par exemple, tu sais que... Mais peut-être qu'il ne l'a pas encore avoué. Non, je vais le dire. Jusqu'à un moment où lui sait, il a fait ses enquêtes pour savoir que c'est réciproque. Ça veut dire qu'en temps, il a testé, il a tenté quelque chose. Il a essayé de... Il a étudié le terrain. Et je pense que c'est déjà une mauvaise foi. Du moment où tu sais que... Voilà, ton ami, c'est la meuf à ton ami. Comment est-ce que tu vas pouvoir encore pousser le bouchon au point de savoir que c'est réciproque? Je vois que quel est l'intérêt de ce processus. Je crois que l'ami fait fi de l'intérêt de son ami. Parce que de son ami à qui appartient la meuf. Si je suis avec mon ami, et je sais que c'est la meuf à mon ami, et j'écoute mon ami, je sais qu'il a un projet pour cette fille. Ils sont peut-être en train de construire quelque chose, bâtir quelque chose ensemble. Et moi, j'ai des sentiments et je ne peux pas canaliser ces sentiments-là au point où je fais, je passe derrière mon ami pour tester des trucs. Je dis que l'ami, déjà, il part avec une très très mauvaise idée et c'est à condamner. Il trahit en fait la fraternité. Oui, est-ce que c'est aussi la question, quand il s'agit des sentiments de l'amour, est-ce qu'on doit prioriser l'amitié? Ça c'est clair, il faut prioriser l'amitié. Parce que si on analyse bien la situation, ton ami et toi, vous étiez ensemble avant que vous ne connaissiez. N'est-ce la meuf là? Et regardez, quelqu'un qui vient détruire toutes ces années de sacrifice, au nom de quoi? Au nom de l'amour? Et on ne sait même. Moi, mon inquiétude, c'est que est-ce qu'il vient détruire? Le fait simplement, si l'autre. Est-ce que le problème est au niveau de l'ami ou bien le souci est au niveau de la meuf? Parce que c'est elle qui accepte au finish. Je ne sais pas, je pose que des questions. Le problème est des deux côtés. Le problème, c'est qui. Qui est le fautif dans cette affaire? Ici, le fautif, c'est l'ami. Parce que le sujet ne nous a pas dit de façon explicite que c'est réciproque. Donc, le sujet, c'est celui qui est fautif. C'est le gars qui éprouve des sentiments. Parce qu'il y a un couple qui est là. Et toi, tu viens de nulle part. Non, tu ne viens pas de nulle part. C'est un ami. Oui, entre groupes. Parce que tu ne viens pas de nulle part. Quand on parle du couple. Tu ne viens pas de nulle part. Oui, quand on parle de couple, c'est un noyau. Et l'amitié est là. Vous comprenez? Donc, si. Il y a un couple qui fonctionne très bien et je ne sais pas par quel chemin tu es tombé amoureux de cette meuf. C'est toi le fautif, c'est toi. C'est que tu règles ça
voilà, chez toi, pour que ça ne se dégénère pas sur ce couple-là. Sinon, c'est carrément difficile, compliqué après. Alors, on va poursuivre dans cette émission où Armel qui nous illustre, hein, il donne un exemple en disant ceci. Et s'il arrivait que je réalise que mon ami n'est pas vraiment franc avec sa meuf, et la meuf, elle est malheureuse avec mon ami, que dois-je faire? Est-ce que je dois étouffer toujours ce sentiment parce que entre-temps, elle me fait confiance, elle partage des choses avec moi et elle est malheureuse dans cette relation? Que faire? Si tu peux pas arranger, faut pas déranger. Si tu peux pas arranger la situation, parler à ton ami. Il a tenté à plusieurs reprises sans suite. Rien ne prouve qu'il a tenté au fait. Bon, c'est ce que moi, admettons qu'il a tenté sans suite. Il a tenté sans que son ami ne comprenne en réalité qu'il doit prendre ses responsabilités. Par exemple, dans ce cas, est-ce qu'il a échangé avec l'ami en question? C'est vrai que derrière, il échange par exemple avec la meuf. Et la meuf vient lui confier voilà, des défis. En tout cas, il faut le dire en griffe, dans chaque coup, il y a des défis. Ça, c'est clair. Maintenant, est-ce que l'ami en question, est-ce qu'il a vraiment une discussion assez franche avec le mec? Et je peux te le dire, le fait même qu'il ressent il éprouve des sentiments. Je crois que même dans ce mécanisme, je ne pense pas qu'il saura vraiment jouer bien. Parce que lui, son rôle d'ami. Voilà, ce qu'il veut, c'est que quand tu ressens tu éprouves des sentiments, tu veux te rapprocher le plus possible de ton sujet. Mais Valère, est-ce qu'on peut être d'accord, hein, à peu près sur ce plateau, que ces sentiments aussi peuvent naître du fait que la meuf en question, c'est-à-dire que la meuf de ton ami te fait tellement confiance, est souvent blessée, se sent plus ou moins déçue dans cette relation et se retrouve dans tes bras avec ses pleurs et ses gémissements. Ouais, c'est possible que ces sentiments naissent. Alors, à partir parce de ce que moment... quelqu'un qui est là, qui est toujours là pour te guérir, pour te soigner, pour t'apporter la paix... Le réconfort, le soutien nécessaire. Voilà, il commence par voir cet exemple d'homme qui manque en son homme, en lui. Et il va commencer maintenant par transférer les sentiments qu'il ressentait à son homme, à l'ami de son gars. Et voilà, parce que ça arrive dans beaucoup de cas, pas seulement quand on est amis, mais quand il y a des psychologues aussi peuvent témoigner de cela. Quand il y a des gens qui ont des problèmes de couple et que la dame qui vient auprès du psychologue et qu'elle expose les problèmes au psychologue et que le psychologue arrive à résoudre les problèmes, il voit que ce qui manquait à mon homme, c'est ce que celui-là m'apporte. Alors, c'est comme si lui, il est maintenant en train de guérir ses blessures et d'arroser maintenant ce sentiment, bien d'enflammer cette braise-là qui était en train de s'éteindre. Et puis, les sentiments renaissent envers cette personne. Alors, je crois que dans ce cas, c'est le réconfort que l'ami apportait. Pour nourrir, pour créer, pour provoquer donc, la naissance de ce sentiment. Alors, il y a l'athée, hein, l'athée qui est très rapproché donc, à cette plateforme également du côté de Burkina, qui dit ceci, hein, Valère. Il dit, moi j'ai essayé, j'ai un ami qui a sa meuf. Malheureusement, mon ami en question, je sais qu'il a encore plusieurs meufs. Malgré qu'il a ce meuf, et fait souffrir cette meuf. Alors que moi, j'ai des sentiments pour cette meuf. Alors, vous me dites d'étouffer ce sentiment. C'est ce que vous pensez? Je pense que... Quelle discussion il a eu avec son ami? Parce que quand on dit, c'est un ami, voilà. La question que je pose, hein, je ne vais pas faire l'avocat du diable, mais en lieu et place de l'athée, je pose cette question. Admettons que tu as eu à échanger avec ton ami en question, à plusieurs reprises. Mon gars, ce que tu fais n'est pas une bonne chose. Voilà, il maintient sa position, il dit, tu allais, et tout ça, laisse tomber cette fille comme Apefa vient de le dire. Alors, est-ce qu'à partir de ce moment, tu as essayé, mais il se dit en réalité qu'il est rassuré dans cette relation. C'est sa meuf à lui, en fait, c'est son affaire à lui. Est-ce que ça peut t'amener à un moment donné, même à dire à ton ami que, mon gars, j'éprouve des sentiments pour ta meuf en question, sinon... Essayer d'entretenir quelque chose dans le secret, dans le indépendamment peut-être de sa volonté. Hein. Dans le secret, ça va finir toujours pas à se savoir. Ça, c'est que faire? Ça, c'est clair. Que faire? Et moi, je pense qu'une discussion, voilà. Parce que c'est en fait son ami.
C'est vrai que, vous savez, des fois, tu connais ton ami qui a deux meufs, trois meufs, mais tu ne sais pas quelle meuf est la titulaire, comme on le dit. Imagine mais si c'est... Tu es conscient de ça. Oui, il faut le dire. Il y a des gars qui ont, voilà, trois meufs, quatre meufs, et parmi les quatre, on sait qui est la titulaire. Imagine que tu viens éprouver des sentiments pour la titulaire. Tu vois que le défi sera, la guerre sera très grande. Et si ce n'était pas la titulaire? Oui, c'est pourquoi je dis, il faut une discussion. Alors ce que moi je veux savoir, avec, Valère, ce que je veux savoir vraiment sur ce plateau, parce que là, on s'adresse aux jeunes, et il est très important qu'on ne soit pas dans le rêve, mais qu'on puisse très honnêtement être sincère dans ce que nous vivons et dans ce que ces jeunes suivent au travers donc, de cette émission, parce que c'est aussi le but. Bien alors, sûr. Entretenir, tenir une discussion avec ton ami, pour quelle finalité? Si jamais, entretenir la discussion pour quelle finalité? Oui, tu m'as présenté un cas dans lequel le gars... Le gars a plusieurs go. Peut-être et il a eu à l'encourager de laisser tomber, en fait, de ne pas continuer dans cette démarche, parce qu'il fait souffrir cette meuf en question. Mais son ami persiste, en fait. Là, que faire? Le choix, il y a deux cas. Le choix est clair. Soit tu tiens tête à ton ami, tu arraches la go, et tu sais que tu as mis fin à l'amitié. Des fois aussi, c'est ça. Oui, mais tu sais que je veux savoir, ce que je veux savoir, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable. C'est faisable. Dans le cas où tu veux mettre fin à l'amitié. Parce que le problème se pose parce que les deux sont amis, hein. Si on est clair, le jour où ils ne sont plus amis, ça veut dire qu'il il peut sortir avec cette go. C'est pourquoi je dis le choix est clair. Soit tu mises sur l'amitié, tu conseilles, voilà, tu continues dans ton rôle de conseiller, et ça s'arrête là, tu étouffes les sentiments, et tu cherches une autre go. Soit tu es frontal, tu mets fin à à ton amitié avec ton ami, et tu t'attaques à la fille. C'est les deux options. Et que les conséquences, c'est à toi de les gérer après. Ellie. Comme le dirait quelqu'un, ah, c'est vraiment compliqué. Que faire? C'est très compliqué. L'amour est la chose la plus dangereuse au monde. Hein. Surtout quand quelqu'un est amoureux, il est prêt à... Elle est prête et cette personne est prête à tout. Et vraiment, dans le cas, comme l'athée vient de le dire, la personne souffre. Tu veux bien l'aider. Tu veux bien l'aider à Mekeni l'onotonia et les doigts à la même fois le mois. C'est-à-dire, si moi je prends cette personne maintenant. Quel est le nom de l'onotonia? C'est là le problème. D'une façon accentuée. Parce qu'il aime cette fille-là. Vraiment, si je prends cette personne, ce que moi je peux faire. La personne ne sait pas le trésor qu'il a entre ses mains. Et il fait ça. Maintenant, moi, ma question, est-ce qu'il faut prier que, finalement, pour créer une condition pour que les deux finissent par se séparer, ou il faut anticiper? Il faut créer. Il faut créer. Il faut créer et il faut le faire de manière, de façon subtile. Est-ce que je voulais dire, parce que si l'ami sait que c'est... Il faut le faire de façon subtile. Créer un événement. Mais est-ce que ce n'est pas aussi trahir cette amitié? Maestro. Alors, je continue par t'attaquer. Hein. Et est-ce que ce n'est pas trahir cette amitié? Non-assistante, voilà, personne en danger. Pour qu'on ne me traite pas comme ça après, pour éviter tout ça, je récupère les... Si j'étais... Bon, je prends mon exemple. Si c'était le gars qui souffrait de... Je récupère le gars tout bonnement, comme une bonne femme. Et je détruis cette amitié-là. Cette amitié, comme Valère vient de le dire. Mais comment faire? En créant une situation... Bon, je donne juste un exemple parmi tant d'autres. Je sais peut-être le point fort, les points faibles de mon ami, ce qu'elle fait. Je crée une situation où elle tombe dedans. Si c'est que je vois qu'elle sortait avec d'autres gars et elle fait souffrir... Bon, la personne que j'aime, je crée une situation et l'autre soit que l'autre soit témoin et le voit de ses propres yeux là. Super. Et là, je suis là comme consolatrice. Alors je vous fais avant que tu puisses également donner ton point de vue, je vais lire un autre message de Daniel également qui pense. Nous saluons donc tous ceux qui peuvent interagir avec nous dans cette émission, partout où vous êtes. Et c'est très simple, hein, même au-delà de cette émission, on peut continuer donc par interagir sur le +228 92 00 83 05. Vous pouvez nous envoyer un message en précisant
simplement le pays dans lequel vous êtes en train donc de nous suivre dans cette émission. Je rappelle encore le numéro, c'est le plus 228 le 92 00 83 05, où ensemble nous pouvons continuer véritablement échanger dans cette merveilleuse émission consacrée à la jeunesse. Je reviens donc à Pefa, à toi, où Daniel pense simplement que on ne peut au nom de quoi que ce soit séparer ou détruire une amitié qu'on a construite plusieurs années, même si mon gars ou bien même si mon ami est en train de trahir sa go. Les gars, on a déjà vécu des choses comme ça, et peut-être que en lui donnant la chance, il va finir par se ressaisir plus tard. Qu'est-ce que tu en sais? Mais dire que parce qu'il est en train de poser ce pas, que je vais le trahir en se jetant sur sa meuf, même s'il a plusieurs, je pense que c'est une malhonnêteté que nous devons éviter. Voilà. Après, ça c'est le point de vue de Daniel. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, Daniel a tout à fait raison. Il a ses raisons aussi, c'est vrai. Est-ce c'est... qu'il a tout à fait raison ou il a ses raisons? Il a ses raisons. Parce que tout le monde traiterait cette personne de malhonnête. Mais vous savez quoi? On dit souvent que « Ametom Adora et Nyale Vessi ». Quand il y a trois personnes qui sont ensemble et qui sont en camaraderie, il y a deux personnes qui vont aller se retrouver quelque part pour dire quelque chose et revenir. C'est ce qui se résume en vernaculaire que « Ametom Adora et Nyale Vessi ». Et puis ici, il y a question d'amour et d'amitié. Soit c'est l'amitié qui va marcher, soit c'est l'amour qui va gagner. Donc forcément, il y a quelque chose qui va on peut perdre aussi les deux, hein. On peut aussi perdre les deux. Justement, on peut perdre et l'amour et perdre l'amitié. Mais maintenant, disons-nous la vérité, soyons francs, il y a beaucoup de relations qui sont là aujourd'hui et qui sont nées de ces choses, de ces petites histoires. Il y a des gens qui vont dire que mon ami m'a arraché mon homme, mais peut-être que ton ami en question connaissait des secrets sur toi, parce que tu as plusieurs, tu as beaucoup de gars, ou bien si c'est le cas d'un gars, parce que tu as beaucoup de meufs, l'ami sait très bien que tu n'entretiens pas cette relation, ce n'est pas important pour toi. Et il y a certains qui se sont mis en couple aujourd'hui, et c'est sérieux. Et c'est des vrais, c'est des sentiments réels qui sont nés de ça. On ne peut pas jeter la pierre à ces choses-là. L'amour est en l'air, l'amour naît partout. Mais à chacun de jauger sa conscience. Est-ce que maintenant, je vais me mettre en relation avec l'ami de mon gars, la meuf de mon ami. Plus tard, il y a certains qui avaient déjà vu la meuf là avec ton ami. Ils vont se dire, mais alors ça veut dire que pendant tout ce temps, vous étiez en train de vous faire des clins d'œil. Vous étiez en train de vous voir en cachette. Personne ne saurait pas que réellement, c'est de vrais sentiments qui étaient nés entre vous. Donc, Et dans ça, alors plus il ne marche pas. Alors, bon. Ça fait sourire. Hein, Ça fait sourire sur ce plateau. Oui, hein. Dans ce cas, Valère, Alokli ne marchera plus. Parce que les trois personnes ne sont plus ensemble. Parce que ce trio, détruit l'amitié. Il n'y a que deux qui se retrouvent. Mais c'est dans le cas où les trois sont toujours ensemble. Et que les deux, il y a le gars et la meuf sont ensemble, l'ami et la meuf aussi sont ensemble. Ces trois-là se retrouvent pour manger, pour faire des choses. C'est là que ça a des faits. Alors, Apefa, nous avons juste quelques minutes à l'antenne encore pour recevoir notre invité du jour qui est déjà avec nous. Je me fais encore ce vilain plaisir de le cacher un petit moment et après vous le révéler dans cette émission. Je reviens encore à toi et une autre question de Joséphine qui dit ceci. Apefa, tu imagines que ton ami... Ah, la question est à moi. À toi. Ok. Ton ami, fille, avec qui tu es très souvent, qui vient te dire que, tu sais, Apefa, j'ai eu à éprouver des sentiments ou j'ai des sentiments pour ton homme. J'ai des sentiments pour ton homme, sauf que je ne vais pas laisser ce sentiment perdurer. Est-ce que quelque part tu pourras véritablement faire confiance? Est-ce qu'il a fait preuve d'une grande honnêteté ou c'est plutôt un danger qui est en train d'arriver comme ça? Coco, d'abord, c'est ce que Joséphine, en fait, c'est son ami qui est venu vers elle pour être honnête, sincère, pour lui dire ce qu'elle pense, en fait. D'accord. Au nom de notre amitié, elle a été honnête, sincère, franche, mais
je vais mener mon homme très très loin d'elle. Parce que, à force de continuer de voir mon homme, le mal va finir par se faire. Donc ça voudrait dire qu'elle a, elle a mal fait de te dire ça en fait. Elle n'a pas mal fait, elle a bien fait de venir me le dire. Non, on ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais, je vais quand même pas. C'est, mon homme, c'est comme une proie. C'est comme une proie entre ses mains. Un beau jour, elle pourra sauter dessus et dévorer. Donc, si je le peux, je m'éloigne. Ça voudrait dire que tu ne fais pas confiance à ton homme. Non. Quelque part, non. Tu ne fais pas confiance à ton homme. Non, mais si ton homme, si ta perception de ton homme, c'est que ton homme est devenu une proie. Est-ce que ce n'est pas inquiétant en fait? Non, parce que je ne fais pas confiance à mon homme. Mais je connais la force de frappe d'une femme qui désire un homme. Ah bon? Ah oui. Parce que je suis femme, je connais, je sais ce qu'une femme alors, peut faire. Alors tu seras derrière ton homme un homme. Alors tu seras derrière ton homme tout au long de sa vie, tu vas le suivre partout, tu vas l'écarter de parce qu'il est une proie. J'aurais quand même essayé de mettre fin, soit de mettre un terme à cette amitié-là, ou bien de créer une distance considérable entre cette amitié-là. Wow. Avant que, si le mal, si ça se produit après, bon, j'aurais quand même essayé. Valère. Oui, moi je soutiens un peu Fab, hein, parce que quand la personne vient... On va pas... Valère, on va finir avec toi rapidement. Oui, Valère va se tenir. Quand la personne vient avec toi, la personne vient te l'avouer. Il aurait fait mal, hein. C'est que... Là, nous parlons de l'ami de Jaffine, donc elle aurait fait mal de venir à toi, c'est ça? Non, pas forcément. À son niveau, elle n'a pas pu gérer. Parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Quand vous prenez deux personnes qui sont ensemble, vous pensez que les deux connaissent tout ce que ils font? Non. Toutes les Alors ça voudrait dire qu'on peut laisser dissimuler l'hypocrisie dans une relation amicale, c'est ça? Ce n'est pas une hypocrisie. Non, c'est pas. C'est-à-dire, tu sais que tu respectes le couple, tu as des sentiments et tu gères, tu étouffes à ton niveau et puis c'est fini. Mais quand tu avoues, c'est clair que... Quand tu te libères, je ne vais pas dire avouer, tu te libères en fait. Quand tu te libères... De ce fardeau. Oui, et cherchant en fait l'aide de ton ami en question. L'aide de ton ami. Tu attends que son ami t'aide. Sauf que tu es en train de parler du trésor de ton ami. Parce que quand on parle des sentiments, on ne peut pas dire quelque chose de très très important. Une personne, une femme amoureuse, une femme qui désire un homme... est capable de faire des choses pas possibles pour conquérir cet homme. Donc, si tu sais, il faut aussi le comprendre. Quand on parle des sentiments, ça peut prendre feu à tout moment. Peut-être tu penses que tu gérais bien, mais arrivera un moment, peut-être une petite dose de plus d'alcool, et tu te retrouves en train de faire des choses très regrettables. Donc, le mieux, comme Apifal l'a dit, si tu reconnais, c'est de faire le massif pour mettre de la distance entre cet homme en question et l'ami qui vient m'avouer, qui est, voilà, je peux dire... Qui a été sincère, qui a été très sincère, un vrai ami. Très, mais on va pas se séparer mais de lui on va quand même. Pas, non, non, du tout on pas. On va pas se séparer non, de cette amitié. C'est quelqu'un de très franc, il faut l'avouer, mais il faut verrouiller le système pour que ses sentiments ne reviennent plus. Eli, on va finir avec toi rapidement. Maître, moi, ce n'est même pas que la personne a avoué ses sentiments. Hein. La personne a juste dit, Eli, tu as un très beau mari. Hein. Depuis le jour, là. même... Donc, là où on est, là, quand je vais te dire que Eli, ton depuis mari le jour, c'est fini. C'est bon, c'est... Mais est-ce que tu n'exagères pas un peu? Est-ce que ce n'est pas, maître, ce n'est pas choquant non, de tenir de tels propos sur cette antenne? Non, à ce point. Oui, à ce point. Et jusqu'à ce point. La personne me dit, Eli, tu es un très beau gars. Je ne sais pas l'idée qu'elle a derrière la tête. Jusqu'à. Non. On n'est plus autorisé à qualifier la bonne chose. Non, non, non. Elle peut. Non, maître. Eli, on va se calmer. Non. On va se calmer. Un jour, moi, maître. Vous avez tout. C'est un point sensible. Allons, voilà. On va aller rapidement. Allons rapidement. Je peux. Maître, je peux te dire que tu es beau, mais le jour où je vois ta femme, je ne peux jamais dire à ta femme que, oh non, quand même, n'exagérons pas. C'est pas, elle
va se créer maintenant des idées en tête. Donc, cette fille-là qui vient au plateau tout le temps, ok, ok. Donc, vous voyez, en tant que femme, on a des calculs, on a ces calculs-là pour tout éviter. Calcul aigu. Et voilà, pour tout éviter, moi, je l'ai juste dit, ok, d'accord, j'ai compris. Donc, à partir de ce jour-là, quand mon mari me dépose et je la vois de loin, c'est-à-dire, c'est bon, jusque-là, lui-même, il ne comprend rien. Pourquoi tu ne veux pas que je te dépose? Non, c'est bon. Donc, il y a ces choses-là, il ne faut pas créer, faut même pas accepter qu'il y a ces liens qui se créent entre certaines personnes, surtout quand tu connais la personne en question. Il faut éviter certaines situations. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. On passera toute une journée à parler de ce thème et on n'en finira jamais. Merci donc à PFA, merci à Valère, merci donc à Elie hein, de nous avoir accompagnés tout au long donc, de cette première partie où nous avons consacré cette émission à ce thème important. J'ai pro des sentiments pour la meuf de mon ami et nous saluons en passant tous ceux qui nous ont écrit de partout, hein, Burkina, Mali, ou que vous soyez en train donc de nous suivre dans cette émission. Continuez par donner votre point de vue sur le plus 228 92 00 83 05 en précisant d'où vous êtes en train de nous suivre dans cette émission. Nous allons faire place donc à notre invité du jour après cette petite pause. À tout à l'heure. Nous recevons pour vous sur ce plateau Jean-Pierre Sanledi. Le monsieur a réussi aujourd'hui à s'imposer comme un jeune, particulièrement dans son domaine. On l'a connu hein, aujourd'hui, au-delà donc de sa profession de journaliste, on l'a connu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, en train de rentrer partout, en train de toucher des jeunes, poser des questions, rentrer dans le domaine musical et ressortir le meilleur des talents que nous avons dans notre pays, au Togo. Nous avons le plaisir et le privilège de l'avoir sur ce plateau. Jean-Pierre, quel plaisir hein, nous avons de t'avoir. Comment tu vas? Je vais très bien, coucou, j'espère que tu es également. Je me porte très très bien. Très beau plateau, j'adore. J'adore également tes lunettes. Ah bah merci. J'espère que ça ne fait pas beaucoup de victimes. Non, t'inquiète. Alors va, nous passerons un très bon moment en compagnie donc d'APFA également de Valère qui auront l'opportunité de vous poser des questions. Alors derrière Jean-Pierre Sanledi, c'est toute une histoire. Est-ce qu'on peut davantage connaître Jean-Pierre dans cette émission consacrée aux jeunes? Bon, alors, déjà, je salue tous ceux qui sont autour du plateau. Si on peut connaître Jean-Pierre davantage, ça dépend de quel angle, de par quel angle et de sous quel angle vous voulez connaître Jean-Pierre. Le parcours. Le parcours, il est atypique. On a combien d'heures là, dis-toi? Non, on va peut-être résumer. On va peut-être résumer en quelques secondes, si possible. Alors, Jean-Pierre, c'est actuellement un journaliste de profession. Là, je plante déjà le décor. Mais avant tout ça, c'était pas évident, tu vois. Moi, j'étais un petit garçon dans son coin quand j'étais petit. L'essentiel pour moi, c'est d'aller à l'école, d'avoir de bonnes notes, rentrer à la maison, prendre un bon cocktail et puis manger les coulis de maman, tu vois. Yeah. C'était ma vie pépère et tout. Je n'avais pas réellement de rêve. Même jusqu'au bac, je le dis aux gens, les gens ne le croient pas. Même jusqu'au bac, je ne savais pas ce que je voulais faire. Tu vois. Je suis même rentré au campus, j'ai commencé le droit, alors que bon, je voulais juste faire quelque chose, au fait. Et à défaut de faire un truc scientifique, la médecine, je me suis dit, ok, le droit, c'est un peu l'équivalent de la médecine et tout. En termes de littérature, puis bon, voilà. Mais quelques années après, tu sais, on commence à avoir des coups de la vie, les choses qui font que l'école traditionnelle laisse place à l'école de la vie. Mais il y a des choses qui t'arrivent, toi-même, tu commences réellement à t'éduquer et puis tu commences à te découvrir. Et c'est là que, bon, j'ai découvert mon amour pour l'infographie, la communication, et puis ça a viré après, voilà, un concours que j'ai fait sur une chaîne de la place en 2016, LCF, on connaît très bien. Et c'est là le déclic, au fait. Et après ça, j'ai plus lâché. Et aujourd'hui, bon,
Je suis Jean-Pierre, comme tu peux le constater. Et Jean-Pierre n'a plus lâché. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est Jean-Pierre est devenu Jean-Pierre qu'on est en train de constater. Jean-Pierre, je voudrais d'abord, sur ce plateau, te féliciter particulièrement. Merci beaucoup. Pour tout ce que nous voyons de près comme de loin, et j'avoue en réalité qu'on est assez impressionné et ça encourage toute la jeunesse d'en faire davantage. Alors Jean-Pierre, aujourd'hui, tu t'es démarqué par tes contenus sur le digital. On voit Jean-Pierre qui valorise, on peut le dire ainsi, la musique togolaise. Aujourd'hui, grâce à tes contenus, ça permet tout naturellement et très rapidement de retourner dans les mélodies anciennes, mm-hmm. de revenir dans l'actualité, de kiffer ce qui vient de chez nous. D'où est venue cette inspiration-là de laisser un tout petit peu cet habit de journaliste et d'attaquer le terrain? Alors, tu sais, Coco, la manière dont tu décris ce que je fais, personnellement, ça, je ne dirais pas que ça m'étonne, mais ça me donne une vision plus globale de ce que je fais. Des fois, moi, je fais des choses, mais je ne les vois pas forcément comme ça. La manière dont tu viens de le dire, je me rends compte que c'est vrai ce que tu dis, au fait. Que je retourne vers le passé, je ramène la musique et puis on essaie de faire un peu une synthèse de ce qui se passe, ce qui s'est fait, ce qui se passe actuellement. Et comment est-ce que ça s'est passé? C'est vrai que, comme tu l'as dit, j'ai laissé ma casquette de journaliste traditionnel. Je n'ai pas laissé. Hein. Ça peut revenir à n'importe quel moment. À tout moment. Voilà. Et en fait, même quand j'étais à la télé, la RTDS, c'est ma chaîne de cœur, je le dis à tout le monde. C'est cette télé qui m'a fait, en fait. Okay. C'est grâce à la RTDS que Jean-Pierre, que vous voyez aujourd'hui, est bel et bien là. Donc, je le crie haut et fort devant tout le monde. C'est ça. Là où toutes les autres personnes, toutes les autres chaînes ne m'ont pas donné la chance. Pour la chance. Voilà. Donc, j'ai commencé en tant que journaliste, animateur culturel. Ok. Tu vois. Moi-même, je suis musicien de base. À l'église et tout, je suis pianiste. Okay. Je suis dans le groupe musical. Donc, je depuis vois. Tout petit... Ok. Voilà, c'est pour cela, quand je parle, et des fois les gens disent, mais lui là, il fait genre... Bon, c'est pas comme si je connais tout, mais je connais un peu. Donc je parle avec une certaine légitimité. Avant, j'avais ce syndrome de l'imposteur, mais après je me suis dit, hey, les gars, que vous le voulez ou pas, ce que tu fais là, je sais qu'en réalité, c'est pas cool, c'est pas bon. Je peux te le dire parce que j'ai encore un petit rayon. Donc c'est ce qui a fait qu'avec le temps, je me suis dit, attends, si moi aussi je peux apporter ma pierre à l'édifice, avant c'était juste créer des contenus, faire des vidéos pour juste donner mon avis sur des choses. Mais après tu te rends compte que ton avis, finalement, ça pèse un peu. Et c'est là que tu commences à réellement te dire, hey, mon frère, c'est un peu comme si ton opinion, ça compte un peu pour certaines personnes. Même des gens qui sont professionnels dans certains domaines te disent que ouais, c'est ce que tu dis, c'est ça. Donc là, tu commences à réellement... rendre les choses plus techniques, à bien catégoriser les choses, à ne pas dire n'importe quoi. Et avec le temps, tu te rends compte que bah, tu ne voulais pas être un membre du showbiz, mais finalement, le showbiz t'a rattrapé. Bon, voilà. Et c'est pour cela, moi, chaque jour, quand je me réveille, j'essaie quand même d'ajuster les choses selon moi, ma vision des choses. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais le peu que moi aussi, j'estime être bien et qui pourrait faire évoluer notre culture, je le dis haut et fort. Bah, qui est d'accord avec moi, monsieur, qui n'est pas d'accord, bah, on en discute, on fait un débat, il n'y a pas de souci. Certainement que Valère et APFA également auront des questions pour toi donc sur ce plateau. Mais depuis tout ce temps où constamment tu es sur le terrain, même au-delà de la capitale, à l'intérieur du pays et tout, cette énergie-là, cette force-là, d'où tu la tires en fait? Alors, cette énergie, déjà, je pense que je mange bien. C'est important. Hein. Je mange bien. Ma forme n'est pas gratuite. Je mange bien. Et au-delà de ça, je pense que c'est la passion. Les gens me disent souvent, oh JP, l'énergie que tu as aujourd'hui, en tout cas, profite. Hein. Dans quelques instants, bien dans quelques années, tout ça va s'amenuiser, ça va disparaître et tout. Je dis, ok, d'accord. Mais du moment où je l'ai encore, je vais le faire. Parce que au départ, c'était un peu... comment dire, une quête ou bien une mission abstraite. Moi aussi, je voulais juste faire quelque chose. Mais avec le temps, je me suis dit, hey, réel, il y a quelque chose à faire en vrai. Tu vois, parce qu'on est trop dans l'à peu près. Moi, c'est ça, moi, mon combat dans notre showbiz. On est dans l'à peu près, on fait les choses. Bon, il y a tiens, ou est-ce quoi, ou y a voulu nous. Alors que moi, personnellement, en plus d'être dans l'actualité ou bien dans le showbiz, comme les gens me l'ont finalement accordé comme titre, je suis également un mélomane, je suis également un consommateur de musique togolaise et tout ce que tu veux, la culture. Donc,
je fais le showbiz, mais je consomme également. Parce que j'aime beaucoup la musique togolaise. J'aime beaucoup la culture togolaise. Donc, quand je vois que c'est pas bien fait, c'est pas qualitatif par rapport à ce que je vois à l'extérieur. Parce que des années en arrière, on avait cette culture de Nyawinyem, Nyawelafiumi. C'est nous qui connaissons Nyawelafiumi. Mais avec Internet, tout est démocratisé. Les gens voient les choses bien avant que les gens de la télé viennent en parler. Donc, si moi-même je connais déjà ça, ne viens pas me la faire à l'envers. Je sais que ça là, on peut faire mieux que ça. Donc ne viens pas nous faire croire que non, tu es trop fort. Tu vois? Donc c'est ce qui fait que moi je me suis dit, aujourd'hui je comprends beaucoup nos parents. Nos parents qui disaient, je pense que tout ça là c'est générationnel. Chacun essaie de défendre sa génération parce que c'est ça qui t'a bercé. Mais malheureusement, on se rend compte qu'avec le temps, ça des genre les valeurs ça part franchement. Et moi l'énergie là, je me suis dit l'énergie que j'ai aujourd'hui, faudrait que j'en fasse bon usage avant que je ne l'ai plus. Donc essentiellement c'est ça qui me donne de l'énergie, et aussi le fait de comment dire, de découvrir de nouvelles choses, parce que je me dis, quand tu vois seulement au bout de ton nez, c'est tu rates beaucoup de choses. Quelqu'un qui n'est jamais sorti de Lomé ou bien même du Togo ne peut pas avoir un débat tellement ouvert que quelqu'un qui est juste allé à Accra, par exemple. Pas parce que Accra est meilleur que Lomé. Mais Accra, c'est une autre contrée, avec une autre culture, avec une autre manière de penser, une autre manière de faire de la musique, de voir la culture. Donc, quand tu sors un tout petit peu, tu vois, hey, les gars, c'est pas qu'on va changer contre ce qui se fait ailleurs, mais j'ai l'impression que ce qui fait ailleurs, c'est pas mal. Et bizarrement, ça s'exporte mieux. Les gens crient ça mieux sur les médias. Nous aussi, inspirons-nous de ça. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse, mais faisons aussi les choses bien, en fait. Super. Donc, c'est juste pour ça. Tu vois, même moi personnellement, avant que je te donne la parole, quand moi, j'avais commencé ton son préféré, par exemple, je sais que tu vas en venir, mais je vais y aller en même temps. Quand j'avais commencé, c'était avec une caméra. Je venais d'acquérir une caméra. Une caméra que j'ai acquis par le biais de ma chérie. Si elle me voit actuellement, coucou à elle. Waouh. Voilà. Donc, si vous voyez de belles images. Ce n'est pas évident. Si vous voyez de belles images. Félicitations à elle. C'est grâce à madame. Merci à elle. Donc, quand moi, j'ai eu cette caméra, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de déterminant, quelque chose qui soit réellement impactant. C'est là que j'ai eu l'idée de ton son préféré. Et ce qui a fait que tous mes contenus que je faisais avant, il y a eu un bon. Je suis passé, par exemple, de 7000 abonnés à 20000 abonnés en 2 mois. C'était pas évident. Parce que là, c'est là que je me suis dit, les gens aiment la qualité. Les gens veulent ce qui est bon, ce qui est excellent. Du contenu qualité. Tu vois? Donc, c'est ça mon combat. Et aujourd'hui, quand je vois des jeunes créateur de contenu faire la même chose, moi je suis très content. Valère, Apefa, une question pour Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre, vraiment félicitations pour tout ce que tu fais. Merci Apefa, non? Oui, Apefa. C'est le nom de ma maman. Waouh. Moi elle s'appelle Arouifa. Ah d'accord. Alors tu as ta maman sur ce plateau. Allons-y. Ok, j'ai suivi quelque chose sur, que tu as fait sur la musique de... Il y a un dernier morceau de King Mason et de Asia Mala. Exactement. Tchétchékou. Justement. J'ai suivi le truc le jour-là. J'ai suivi. En fait, ça me disait que le gars, il fait la promotion. C'est à travers sa vidéo que moi, j'ai découvert le morceau. Et tu es allé même chercher. Oui, je suis allé chercher. J'ai téléchargé. J'ai écouté. J'ai fini par comprendre. Jean-Pierre est là. C'est là que venait ma question. Okay. Est-ce que, après tout ce travail que vous êtes en train de faire sur la musique togolaise, sur les artistes, est-ce qu'il y a quand même une toute petite reconnaissance? Est-ce que ça nourrit son nom? Est-ce qu'il y a une reconnaissance de ces artistes-là? C'est le sujet qui fâche. Bon, tu sais, moi, j'ai commencé, je suis toujours, et je pense que je terminais dans une logique de « je n'attends rien de personne ». Tu vois, moi, j'ai mon combat, j'ai ma quête, je la fais avec les moyens de bord. J'ai commencé avec les moyens de bord. Donc, c'est ce qui fait que je n'attends pas forcément une reconnaissance des gens. Comme tu viens de donner l'exemple de Papa King Mason, en fait, c'est l'une de ces rares figures du showbiz, bon, il n'est pas dans le jeu, de la culture togolaise, qui fait que nous autres, qui n'attendons pas forcément quelque chose en retour, on a toujours cette force-là. Parce que dans le lot, dans toute cette ribambelle de personnes, il y a quand même des gens proéminents qui arrivent quand même à nous... Je vais te le dire, le soir, là, quand j'ai fait cette vidéo, une heure de temps après, Papa King m'a appelé. Waouh. Il n'avait pas mon numéro avant. Waouh.
Ça, c'est encourageant. Mmh, ouais. C'est vraiment bien. Ça, c'est encourageant. En fait, ça te montre à non, quel point... Moi, j'ai bien envie quand déjà, même... Déjà, ouais, parce que je rassure que c'est une vidéo, c'est une pépite, au fait. Mmh. C'est, je suis une abonnée hein, de JP. Je suis vraiment tes vidéos. Mais cette vidéo-là m'a vraiment touchée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui doit être derrière? En fait, il y a rien derrière. Il y a même des gens qui ont pensé que pour qui vient seulement approcher, ou bien des gens de son équipe. À demander pour. Pas du tout. Quand moi j'ai vu le son, moi qu'est-ce qui m'anime au fait? L'innovation, ce que je trouve comme message dans un contenu, ou bien dans un son par exemple, dans une vidéo. J'ai envie de partager message, ça. Le message avec aussi était un très bon message. Ouais, parce que quand King Nelson a teasé le son, les gens se sont dit, mais attends, vous jouez une guerre, vous trouvez un mouton. Plus autant, moi je suis chrétien. Mais au-delà de l'apparence du teaser, je me suis dit, ok, il y a quoi? Mais quand j'ai écouté le son, je me suis dit, mais attends, ce son, même si on enlève tout ce qui a été fait comme visuel, mais c'est du gospel. Ouais. C'est du gospel. Ouais. Et j'ai voulu faire la vidéo là dans le rush, mais après je me suis dit, il faut que je me mette dans le bain. Donc le matin, c'est là où les gens te disent, mais Wan, toi, c'est quoi ton énergie? Parce que le matin, je suis allé chercher en ville. Des accoutrements, j'en ai pas. Même le pain, je suis allé louer ça. Tout ce qu'il y a là, je suis allé louer ça chez Dodo, Azimagli. À tes propres frères. Hein. À mes propres frères. Tu vois, je suis allé louer ça. Et le soir, j'ai fait la vidéo vers 16h. J'ai monté en 17h, 19h, 20h, j'ai mis en ligne. 21h30, papa qui me sent la paix. Et puis il me dit, hey, mon fils, comment tu vas? En fait, quand j'ai écouté la voix, j'ai dit, après, il me dit, oh, un bon nouvel fille, yo, au soir, on a fille, il m'appelle Tchale, quoi. On a qu'à faire des vidéos, un mec qui soit Rodama. En fait, c'est déjà fort. La vidéo a vraiment fait fort. Franchement, c'est des choses comme ça qui donnent la force. Et demain, tu vas encore faire davantage. C'est pas les petites ingratitudes à côté qui vont t'empêcher de continuer. Donc voilà, c'est ça l'énergie en fait. Super. Super. Alors, Jean-Pierre, aujourd'hui, certainement qu'il y a une vision derrière tout ce qui est en train de se faire. Il y a un rêve pour les 5 ans, les 10 ans à venir. L'avant-dernière question que j'aimerais poser, quelle est ta perception, ta vision globale de la musique togolaise aujourd'hui? Et pour finir, je ne sais pas si Valère également posera certainement une question. Pour finir, nous allons parler de ta vision pour les 5 ans, les 10 ans à venir. Alors, ma vision pour les 5 ans, 10 ans à venir, il y a de cela 2-3 ans, c'était assez flou. Bon, j'y allais parce que bon, chacun s'assoit d'une bourse. Mais aujourd'hui, avec tout ce que, sans prétention aucune, tout ce que j'ai pu bâtir, tout ce que j'arrive à faire juste parce que j'ai une certaine opinion, je me suis dit, on ne va pas juste faire des choses. Si vous avez remarqué, même mes contenus pour promouvoir tout et rien, ça a un peu diminué en fait. Parce que je me dis, qu'on le veuille ou pas, on ne va pas juste faire la promotion. Parce qu'il faut faire la promotion. Il faut faire la promotion de ce qui est bon, ce qui est excellent, ce qui donne une certaine fierté d'être togolais. Moi, c'est ça, en fait. Moi, je suis très, très fier d'être togolais. Je suis fier de notre culture. Et moi, je me dis, avec le peu que j'ai aujourd'hui, il faut quand même que j'arrive à peut-être déjà former des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, je suis toujours jeune et tout, mais il y a d'autres jeunes qui te voit et te dit, ouais, on adore ce que tu fais, on aimerait être comme toi. Alors qu'il y a seulement 2-3 ans, moi je vois le grand frère, par exemple, Dieudonné Kevin, ou Florent Atiogbe et tout. Et genre, je suis toujours fan de ce qu'ils font, mais j'étais un peu à un niveau où je dis, hé, quoi. Level art. Aujourd'hui, c'est toujours pareil, mais tu as également d'autres jeunes de 5-6 ans. Leur level. C'est clair. Et eux aussi veulent être comme toi, ils te citent dans leur contenu et tout. Et puis tu te dis, hé, on est en train de passer un cap là. Il faut quitter le fait de, ouais, juste moi créer une vidéo, vraiment au buzz. J'ai pas trop d'abonnés, tu vois. Mais moi, j'aime avoir des abonnés qualitatifs, une communauté de qualité. Et Dieu merci, j'ai cette communauté-là. Aujourd'hui, quand je poste un contenu, quand je vois la manière dont les gens sont engagés dans ce que je défends dans le contenu, ça me donne la force de dire, ouais, on va faire grand les choses. Et voilà, dans 5 ans, moi, je me vois déjà, bon, on a toujours des rêves. Je me vois à la tête d'une grosse boîte. En fait, c'est tout ce qui peut promouvoir le Togo sur le plan culturel pour qu'on soit réellement un diapason plus élevé que ce qu'on est aujourd'hui. Moi, je mets les choses en place. Je ne vais pas tout dévoiler ici non plus. C'est normal. On verra avec les années, mais
ça va être très beau quand même. Et je pense quand même que c'est également l'opportunité hein, que nous avons de, d'attirer l'attention de, des dirigeants, des mélomanes, de toutes ces personnes-là qui nous suivent dans cette émission et qui également apprécient bien ce que Jean-Pierre fait et qui peuvent d'une manière ou d'une autre apporter leur pierre à l'édifice. Je crois que tes deux mains sont bien ouvertes. Hein. La main de Guy. La main de Guy. Valère. Il faut le dire quand quelque chose est bien, il faut vraiment le dire. JP, c'est... Valère. Je le suis aussi religieusement. Je suis abonné à sa page. Ce qu'il fait, c'est vraiment bien. Et il y a un côté vraiment excellent qui ressort toujours dans tes contenus. Merci. Que pour lequel je te félicite toujours. Ma question est juste celle-ci. Quand tu as commencé, est-ce que tu n'as pas eu vraiment des détracteurs, il n'y a pas eu des critiques, voilà, qui arrivaient même à un moment qui t'ont fait douter un peu de toi? Et si oui, comment tu es arrivé aujourd'hui à puiser de toutes ces ondes et à être, comme tu l'as dit, Jean-Pierre Azan l'a dit aujourd'hui? Voilà. Merci beaucoup, Valère, pour la question. Et je vais te répondre très rapidement. Ta question est de savoir s'il n'y a pas eu des détracteurs au début. Moi, je vais te dire que c'est maintenant qu'il y a des détracteurs au début. Tu fais du bon, tout le monde en fait s'entend sens au fait. Mais quand les gens se rendent compte que ça devient sérieux. Attends, mais ça devient sérieux, le gars, voilà. Genre, mais il a trop de des choses, mais c'est qui lui? C'est là on commence. Attaquons-le. On commence à te sourire, mais juste dans la soirée, tu vois que la personne qui vient te sourire, mais en réalité, il a dit des trucs bizarres sur toi. En fait, c'est un monde très vicieux, en fait. Très, très vicieux. Et il faut déjà avoir la tête sur les épaules, savoir ce que tu veux réellement faire. Parce que si tu veux... Par exemple, il y en a, moi, le poids méfiant. Quand les gens me voient... Bon, excusez-moi, quand je parle un peu... Non, on y va. Il n'y a pas de problème. J'essaie de mettre tout le monde bien sûr, au fait. C'est clair. Quand les gens me voient, ils se disent... Et au début, je m'efforçais de dire, ou bien de dissuader les gens, ou bien de les convaincre. Non, c'est pas ça. Après le temps, je me suis dit que je dise ou pas. Rien à prouver. Donc, de toute façon, faites ce que vous voulez. Moi, si je fais ce que je veux. Exactement. Et on se suit. Donc, en ce qui concerne les détracteurs, c'est maintenant qu'il y en a beaucoup. Mais pour répondre à ta question, finalement, moi, j'ai eu la chance, par la grâce de Dieu, d'avoir eu sur mon chemin des gens qui m'ont toujours permis d'avoir plus confiance en moi. Avant d'en venir à la communication, j'ai commencé avec du graphisme. Je faisais des dessins AZ Graphs en 2018-2019. Je dessinais les gens numériquement et tout. C'était ça, ce que je faisais. J'avais commencé, je dessinais les gens à 2000 francs, 3000 francs. Arrivé à un moment, je suis tombé sur une dame qui m'a inboxé sur Instagram et a dit, j'aime bien ce que tu fais, tout et tout. Okay, à combien tu vas me le faire? Je lui ai dit, ok, ce qu'elle voudrait comme portrait, je vais le faire ça à 4000 francs. Elle m'a crié sur la tête, elle a dit, attends, 4000 francs? Mais ce que tu fais là, c'est pas 4000 francs. Que normalement, des trucs comme ça, je dois facturer. Elle m'a d'ores et déjà parlé d'euros, que je devais facturer ça à 20-25 euros. Wow. 20-25 euros, la fille Miller. Et c'est là, elle me dit, ok, pour t'encourager, je vais t'envoyer l'argent. Elle m'a envoyé 9000 francs. Je lui ai dit 4000 francs. Je faisais ça à 3000 et 2600 pour les gens. Elle m'a envoyé 9000 francs. Et quand Sur le coup. Avant même que je commence. Et quand je lui ai fait le travail, elle était tellement satisfaite. Elle m'a encore envoyé 10000 francs. Et après, on a discuté. En fait, c'est elle qui m'a permis de prendre conscience que ce que je fais, c'est pas rien. C'est quelque chose que les gens, avant que l'IA n'arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est clair. Donc, dans le temps, c'est là que je me suis dit, ok, je vais bien me repositionner. Et j'ai commencé à grimper les choses. C'est la même chose dans le domaine de la communication. Tu es là, dans ton coin, tu fais des petites choses. Par exemple, imagine, toi, tu fais une vidéo, et puis Omar Abi, paix à son âme, qui t'appelle. Tu n'as pas de numéro de Omar Abi. Omar Abi qui arrive à prendre ton numéro. À chercher ton numéro et à t'appeler. Et à t'écrire. Lui m'a écrit par WhatsApp, et qui m'a dit, franchement, ce que tu as fait sur mon son là, non, franchement, je veux que tu passes au studio. Jusqu'aujourd'hui, c'est un truc qui me fait mal parce que j'ai pas eu le temps d'obliger. L'engagement avant de... Voilà, comme Coco, depuis un bon moment, devait se voir. On n'arrive pas à se voir. C'était la même chose avec Omar Abi. Je devais aller chez lui 3 jours avant sa disparition. Donc, des choses comme tu te dis, avec le temps, les gens sont en train de te valider. Et tu sens que réellement, tu peux faire quelque chose. Et franchement, quand tu te lèves avec ça,
tu y vas, quoi. Ouais. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Tout ça, c'est grâce à Dieu. Jean-Pierre, je pense que nous sommes déjà arrivés à la fin. Le temps, ça file très, très rapidement. Mais je voudrais avoir ton point de vue aujourd'hui sur la musique togolaise de façon générale et derrière ça, ton mot de fin. Alors, la musique togolaise aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup évolué sur plusieurs aspects. Ok. On a évolué parce qu'aujourd'hui, l'industrie est tellement vaste, l'industrie est tellement pas du tout structurée pour le moment au Togo, non. Il n'y a pas beaucoup de structures. Parce que, par exemple, si tu te rends compte que sous d'autres cieux, par exemple, quand on dit on va faire un clip, il y a un cadreur, le réalisateur, il est là, il a ce qu'il veut faire en tête. Il y a un cadreur, il y a un perchiste, il y a ci, il y a ça, il y a un directeur artistique et tout, tout ça, c'est une industrie. Mais par exemple, chez nous, quand on dit un réalisateur, c'est lui qui fait tout ça. Tu vois ? Il peut le faire. On peut être un couteau suisse et tout, et tout, et tout. Mais il faut arriver à un moment pour pouvoir déléguer les choses. Tu vois ? Par exemple, moi, je fais de la vidéo, je suis vidéaste et tout. Il y a des artistes qui m'approchent, peut-être parce qu'ils ne veulent pas trop dépenser. Moi, je leur dis, mon frère, ce que tu vas payer à ce réalisateur qui est très connu là, c'est la même chose, voire plus que tu vas me payer si tu veux réellement que je travaille avec toi. Mais moi, je sais que ce que tu veux, quelqu'un peut le faire mieux que moi. Donc, va voir ce réalisateur. Tu viens pour une voix off et tout, je fais de la voix off. Ok, d'accord, ce que tu veux, d'accord, je peux te le faire. Mais aussi, ça ne te dérange pas. Je voudrais que, par exemple, tu ailles chez Jerry Wisdom à Japon, par exemple, ou David Mautor. En fait, ça ne me dérange pas parce que je veux que tu sois tellement content du résultat et que tout le monde soit dans son truc. Donc, je pense que c'est ça qui manque un peu à notre musique. Ça, sur un aspect, la structuration et de l'autre, les valeurs, ça part. Je le dis encore. Les valeurs, ça part. Je ne sais pas si c'est parce qu'aujourd'hui, je suis presque dans la trentaine. C'est pour cela que la vision a changé. Mais franchement, il faudrait réellement qu'on sache c'est quoi nos priorités, quoi. Tu vois, c'est vrai, il faut avoir le buzz, mais il y a le talent et il y a également la visibilité ou bien la popularité. Quand tu es talentueux, tu peux forcément ne pas avoir de la popularité. Non, c'est pas ça qui va faire que tu vas laisser ton talent tellement viser la popularité que tu vas te lancer dans des choses bizarres. Donc il faut réellement qu'on ait quand même une vision. Ne faites pas comme nous autres, avant on n'avait pas une vision, c'est aujourd'hui qu'on en a. Donc, essayez de faire un travail sur vous, mais en tant qu'artiste. Et moi, personnellement, déjà ce week-end, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, les artistes m'ont tellement mis bien. Les sorties de ce week-end, franchement, il y a deux jours, je me suis senti tellement bien dans ma peau parce que le son, le clip, la direction artistique, en fait, tu sens qu'ils veulent faire quelque chose de waouh. Et moi, je ne peux qu'encourager ça. Super. Et dernier mot, voilà, merci pour cette invitation, Coco, Valère et Apefa, maman. Et voilà, je fais un coucou également à tout le personnel de New World TV, du directeur jusqu'à moi. C'est moi qui suis en bas de l'échelle, puisque je suis invité. Donc voilà, j'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger. Voilà. Forcément. Alors nous disons merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés dans cette merveilleuse émission. Merci à Valère, merci à Apefa et merci à toute l'équipe de réalisation. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous retrouverons certainement la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.